Hey, salut à tous! Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai eu quelques problèmes, notamment que j'ai été malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu sortir de vidéo, tout simplement, malheureusement. Et quoi d'autre? Bah aussi mon trépied s'est cassé, donc c'est plus un trépied, c'est un bipied maintenant, et j'ai déjà du mal à le faire tenir là comme je vois comment il est, il y a de fortes chances qu'il tombe pendant le tournage. Donc bon. Alors cette vidéo, je vais vous parler de plein de trucs, je vais vous parler un petit peu de nous, un petit peu de nous, un petit peu de tout ça, des futurs projets, tout ça. Donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur ma TGNR, bon, déjà elle a été mise en non répertorié, donc c'est normal, elle revient normalement, une version légèrement différente, mais elle revient, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, pour ceux qui avaient vu la vidéo en question, vous savez que je vous avais donné un indice en vous montrant ce livre pour vous dire ce que je vais élever comme bestiole, et en plus de ma TGNR, donc ce sera une araignée. Et je vais vous montrer ça d'ailleurs directement dans le livre. Si je retrouve la page, je fais un petit montage. Vous allez forcément reconnaître si je vous dis Philippus Régius. Voilà, donc une araignée sauteuse, les fameuses saltis. Ah, donc ça, c'est un futur projet. Je mettrai probablement le truc de ma TGNR là, ou là, et je mettrai un truc assez en hauteur, sympathique. Voilà. Et après, quoi d'autre? Autre projet avec eux, je veux vous en parler. Projet avec eux aussi. Eux, c'est pas un projet, mais il faut que je vous en parle aussi. D'ailleurs, on peut commencer par ça. Pareil, mais les bruits, je pense que je vais aussi vous en parler. Alors, eux, j'ai eu, du coup, j'ai voulu chercher pour voir le verdict au niveau de tout ce qui était larves, si ça avait évolué ou pas. Les adultes vivaient très bien dedans. Donc, ça, aucun souci. Donc, je précise, la terre que j'ai utilisée, c'est de la terre de bruyère bio, je crois. Donc, ce que j'avais que ça, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais? Après les larves. Alors, les larves, je dirais. Alors, j'ai croisé quelques larves encore en vie après à peu près un mois d'utilisation. Donc, je sais pas si c'est français, c'est pas grave. Bref, et j'ai croisé encore quelques larves encore en vie. Et la bonne nouvelle, c'est que. Alors là, vous n'allez pas voir. Et je vais vous montrer. J'ai trouvé des coques. Donc, c'est là, je vais essayer de faire ça délicatement. J'ai trouvé deux coques avec du coup des nymphes à l'intérieur pour donner des adultes. Donc du coup j'ai 4 adultes plus probablement cela. J'ai trouvé aussi une coque vide. Malheureusement pas d'adulte qui en est sorti. J'ai compté, j'en ai toujours 4. Donc j'ai du mal à comprendre. Peut-être que la nymphe est morte, j'espère pas. Et là j'ai une autre coque. Je vais vous montrer. Je vais pas essayer de la déplacer, mais j'ai pu vous faire une petite photo de justement cette coque, car elle a une spécificité, elle était collée à un élément du décor, et en la décollant, malheureusement, ce que j'aurais pas dû faire, ça a ouvert un petit bout de la coque. Donc ça a pas l'air trop grave, j'espère que ça ne l'est pas, mais bon voilà, du coup j'en ai profité pour faire des plans de la coque. Mais bon, sachez que je ne l'ai pas ouvert délibérément, là-bas je voulais l'enlever de l'élément du décor. Et donc voilà, je vais voir si je trouve aussi d'autres coques ou d'autres larves, sachant que j'ai vu qu'il y en a qui étaient encore en vie. Donc voilà, pour eux, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, voilà. Ensuite, du coup, alors la punaise. Quelqu'un a fait remarquer que c'était grégaire. Et oui, tout à fait, c'est grégaire. Et donc, c'est-à-dire que ça vit en groupe. Donc, comme par exemple pour là, j'en avais mis deux. Et là, j'en avais mis qu'une pour le moment. Et j'avais comme projet d'en reprendre une autre. Et du coup, la prochaine fois que je vais aller à la ferme tropicale, je vais tout simplement en prendre une autre avec un terrarium un peu plus grand. Donc je pense un peu le même style que le terrarium que j'avais pour mes blattes, pour ceux qui s'en rappellent, un terrarium d'à peu près cette taille-là, comme ça, avec une assez bonne surface. Et du coup, oui, je compte en remettre une autre. C'est normal si pour le moment elle est seule, c'est pour le début. Puisque bon, entre nous, les parents, ils aiment pas trop les punaises, voilà. Donc j'y vais assez doucement. Sauf ceux-là je l'avais pris directement de, donc bon voilà. Et du coup c'est pas fini, je vous dis, la prochaine fois que j'irai à la ferme tropicale, je prendrai probablement une punaise. Je prendrai pas que ça, puisque j'ai aussi un gros projet pour eux. Quand je dis gros, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Pour le moment ils sont dans une fauna box qui commence à devenir assez moche, puisque j'ai mis de l'eau calcaire et tout, ça fait des traces, tout ça, c'est pas très beau. Et j'ai aussi un problème avec eux, je vais vous montrer ça en vidéo, je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont infectées par enfin pas infectées, pas les crabes eux-mêmes, mais ne vous inquiétez pas, mais j'ai des petits insectes tout blancs qui profitent de l'eau pour tout simplement
simplement niché dans le paludarium de mes crabes. Donc mes crabes se portent toujours très bien. J'ai distingué aucun problème, mais j'ai essayé de me renseigner, j'ai presque trouvé rien sur le sujet, c'était rien en fait, j'ai rien trouvé. Et du coup, dans le doute, je vais leur faire un nouveau paludarium, j'avais déjà ça comme projet depuis perpète. Au début, je comptais le faire dans un exotera assez grand, un peu comme celui-là, mais je me suis dit qu'il en vaut mieux de la surface. Alors j'ai décidé de prendre un truc assez grand, qui fera à peu près, je vais vous montrer les longueurs à peu près qu'il fera. Et ce sera du coup totalement en verre, ce sera un vrai terrarium en verre, et ça c'est cool. Alors du coup pour les crabes c'est bon, et ensuite du coup les lugubris. Alors eux ils ont l'air de bien se porter, ou en tout cas il y en a un que je vois assez souvent qui se cache en haut. Et je vais voir si je peux pas vous les filmer, ça va être très compliqué ça par contre. Et il y en a un que je croise très très peu, mais que je croise quand même de temps en temps, qui est le plus petit, car il y en a deux des lugubris. Pour ceux qui ne savaient pas que j'en avais pris deux, j'en ai bien pris deux. Et je les nourris souvent soit avec du rupachi, de la gelée pour grillons, mais souvent quand je donne de la gelée pour grillons, je complimente avec de vrais petits grillons taille 5. Donc là, ils ont à peu près une vingtaine de grillons taille 5 que je leur ai mis hier, et je leur ai enlevé aussi une gelée qu'ils avaient pour pouvoir leur remettre du répachi. Et donc du coup je vais voir si je peux pas vous les filmer. Et j'ai même une anecdote sur eux pendant que j'y pense. C'est que vous voyez ici j'ai mis un petit lézard en plastique, c'est pas pour rien. C'est que au début quand je les avais eus, dès la première nuit, je me rappelle, j'avais voulu me relever parce que j'avais soif, donc j'étais parti boire. Et qu'est-ce que je vois sur le terrarium, juste ici sur la porte, en dehors du terrarium? Un des lugubris. Donc évidemment je l'ai remis dedans. Je vais pas chercher. Enfin si j'ai cherché à comprendre, mais j'ai pas cherché midi à 14h, il s'était barré quoi. Voilà. Donc heureusement qu'il n'est pas allé bien loin. Et j'ai compris par où il s'était barré en fait. C'est qu'il se cache, regardez, ici au niveau des grilles d'aération. Et vu qu'il y a des petits trous pour laisser passer les câbles, et bah ils se sont barrés par là, à cause du décor qui leur permet bien de grimper. Donc le truc que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué avec du papier tout simplement pour éviter tout problème. Je vérifie de temps en temps pour voir s'il n'y a aucun problème, et j'ai jamais croisé de problème avec ça. Donc voilà. Du coup la vidéo est presque finie, ne partez pas, j'ai à vous parler 2-3 petites secondes, ça va être rapide. Déjà merci pour les 90 abonnés, voilà, je vous remercie. Et j'aimerais aussi parler des publications des vidéos. Alors évidemment que je continue à publier des vidéos sur ma chaîne, mais à cause de manque de temps, à cause du lycée tout simplement, je vais peut-être en publier moins, une toutes les 2 semaines de temps en temps, voire toutes les semaines, ça dépend comment je peux faire et comment j'ai le temps de faire quoi. Et aussi ça dépend aussi bien évidemment de ma motivation. Mais normalement les vidéos vont continuer, les lives vont normalement pouvoir reprendre, donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, peut-être pas beaucoup de lives, mais de temps en temps des lives, par exemple dans mon temps libre tout simplement. Quoi d'autre? Alors oui, la vidéo 100 abonnés, là, le futur projet dont je vous ai déjà parlé. Alors j'ai pas eu le temps de le commencer justement à cause de mes problèmes de temps entre guillemets à cause du lycée. Donc je vais la faire pendant les vacances, sauf que pendant les vacances j'ai aussi pas mal d'autres trucs à faire, j'ai vu. Et donc je vais essayer de voir si je peux la tourner pendant les vacances. Je sais que j'aurai le temps normalement pour l'écriture, tout ça, le tournage, je vais essayer de voir si je peux tout faire pendant les vacances. Mais normalement j'aurai le temps de la faire. Voilà. Et elle sortira du coup en décembre ou plus tard, ça dépend. Donc voilà. Elle sortira quand on aura les 100 abonnés. Si on les a par exemple, imaginons dans 3 jours, elle sortira en décembre. Si on les a après décembre, et ben elle sortira après décembre. Je pense que vous avez compris sur ce point-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si quand même un dernier truc. Donc ce livre là que je vous ai montré au début de la vidéo, je vous le recommande, je l'ai lu presque en entier, il est très très bien, c'est vraiment, je vous le recommande. Voilà, un placement de collègue, enfin un collègue qui a beaucoup moins besoin de pub que moi, mais bon, placement de collègue quand même. Voilà, et donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pendant cette vidéo. Donc les lives reprennent, tout ça, ça reprend, puisque j'ai été absent quand même un petit bout de temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une... Ah, non, il manque un truc, il manque un tout petit truc. J'ai envie quand même de vous parler d'un truc, c'est que
après les 100 abonnés, j'ai quand même envie qu'on voie que ça a changé sur la chaîne. Alors je vais ajouter un petit détail. Un tout petit détail, c'est que je vais ajouter un nouveau générique. Voilà. Donc je vous spoile pas, juste un nouveau générique. Je ne veux pas vous le montrer, il n'est pas encore fait, mais je vais en faire un nouveau. Voilà. Et donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère mardi ou plus tôt. Donc allez, à plus tard.